Tu cherches là où les crédits sont les moins chers sur FIFA 16? La réponse est FIFA Coins Buy. Avec le code Robert87000, obtiens 6% de réduction et tes crédits en quelques minutes. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va en aider plus d'un. Tout simplement, l'année dernière, j'avais déjà proposé à peu près ce type de vidéo, mais je vais aller encore un tout petit peu plus loin pour pouvoir vous expliquer comment avoir la liste de transferts à 100. C'est pas très compliqué parce qu'il y en a certains, je suis sûr que vous l'avez déjà, en tout cas vous avez la possibilité de l'avoir, mais vous savez pas exactement comment l'obtenir. Pourquoi avoir la liste de transferts à 100, vous allez me dire? Tout simplement, c'est qu'il y a énormément de techs qui sont intéressantes à avoir un maximum de joueurs en vente parce qu'il n'y en a pas énormément qui vont partir chaque heure. Je pense à la tech avion, je pense à la tech millionnaire, je pense à la tech style. Voilà, toutes ces techs-là sont intéressantes quand on va avoir une liste de transferts bien pleine parce que forcément, on va réussir à en vendre peut-être que 10 ou 15 par heure. Et ça, c'est quand on a la liste à 100. Donc évidemment, si vous avez par 3 et que vous avez que la liste à 30, par exemple, celle qu'on a à la base, vous allez faire que 5 ventes et ça va vous paraître dérisoire. Alors que quand on a la liste à 100, bien sûr, les bénéfices vont augmenter de façon significative. Donc, tout simplement, la liste à 100, où c'est qu'on peut l'obtenir, parce que peut-être que certains l'ont déjà. Donc là, vous remarquez que je n'ai que moi, par exemple, je n'ai que le niveau 7. Vous savez que mon compte principal, je ne peux plus l'utiliser. Donc là, je suis sur un compte secondaire, j'ai que le niveau 7, mais je vais quand même l'avoir parce qu'il suffit que quelqu'un vous la donne pour pouvoir l'obtenir. Mais peut-être que si vous avez déjà obtenu le niveau 45, vous pouvez très bien vous l'acheter tout seul. Donc ça, c'est simple. Il suffit juste d'aller dans Ultimate Team. Et ensuite de descendre, donc là vous allez en avoir une première, hop regardez, on va faire comme ça, on va faire dans posséder, vous avez juste à aller dans Ultimate Team, là j'ai dans posséder parce que je l'ai, d'aller au niveau 15, vous allez pouvoir l'acheter, ça va vous rajouter 10 éléments à pouvoir rajouter dans votre liste de transfert. Au niveau 20, ça va vous permettre d'en rajouter 20 de plus, donc vous aurez la liste à 50. Au niveau 30, ça va vous permettre de monter à 70. Et au niveau 45, d'avoir la liste à 100. Il est indispensable d'avoir ces 4 éléments pour avoir la liste à 100. A chaque fois, vous avez compté, ça va vous coûter des CFC. Hein, donc là, moi j'en ai 7575. Et pour avoir la liste 100 complète, ça fait à peu près dans les 3000 CFC. J'avais pas compté tout à l'heure, 2100, 2450. Allez, 3350, on va dire, voilà, un peu plus de 3000 CFC. Vous voyez que moi, personnellement, tout seul, je vais pouvoir la donner qu'à deux d'entre vous. Donc c'est pas suffisant. Certains donc vont pouvoir le faire tout seul, mais pour tous ceux qui ne sont, ou en tout cas qui viennent juste de commencer FUT 16, vous voyez, comme moi par exemple, avec seulement mon niveau 7, je ne pourrais même pas avoir la première liste pour pouvoir monter à 40. Tout, pour tout cela, je vais tout simplement créer, comme l'année dernière, une adresse mail qui va permettre de vous aider. Pour le moment, la première adresse mail va être sur PS4 parce que là, je peux vous aider et en plus, j'ai des collègues youtubeurs ou des collègues abonnés qui vont pouvoir m'aider et je le sais. Sinon, pour toutes les autres plateformes, donc je pense à Xbox One, Xbox 360, PS3 et PC, je vais rajouter exactement la même chose, mais il me faut forcément des volontaires pour pouvoir m'aider, parce que évidemment, ça prend du temps. Donc dans les commentaires de cette vidéo, merci de me dire si vous êtes d'accord pour venir travailler avec moi et de pouvoir donner au maximum de personnes la liste à 100. C'est très important, surtout qu'on est obligé de s'entraider sur l'achat-revente. Donc n'hésitez pas à me dire, et à chaque fois dans cette vidéo, je rajouterai les adresses mail correspondantes. La première, c'est sur PS4, donc c'est liste100ps4@labost.net. Donc dès maintenant, là, vous allez pouvoir renvoyer votre mail en me disant le nom de votre club FUT et que vous avez envie d'avoir la liste à 100. Comme ça, on se rajoutera en ami et je pourrai vous la donner. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre qui sera là pour m'aider à gérer la boîte mail. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez au bout d'un certain temps. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas au bout d'une journée, de deux journées. Dites-vous que vous allez être très nombreux à envoyer une demande le premier jour. Et donc forcément, ça va prendre du temps. On fait cela gratuitement. Donc merci de ne pas râler si vous ne la recevez pas immédiatement. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc n'hésitez pas, le lien sera dans la description, à envoyer une demande pour pouvoir avoir la liste à 100. C'est très important, évidemment, quand on fait de l'achat-revente. Pour tous ceux qui sont déjà au niveau 45, voilà, il suffit juste d'aller au moment d'en personnaliser, vous allez dans catalogue et vous allez sélectionner Ultimate Team et là vous allez avoir donc ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau 15, au niveau 20, au niveau 30 et au niveau 45, la liste de transferts qui va pouvoir se mettre en plus. Vous pouvez directement le faire dans FUT, vous savez, en appuyant sur ce petit bouton et ça va vous permettre de les acheter. Mais quand vous l'achetez par là, pensez bien à sortir de FUT et à re-rentrer pour qu'elle s'active, sinon ça ne fonctionnera pas.
Si quelqu'un vous la donne, pareil, et que vous êtes déjà dans le fut, pensez bien à sortir pour pouvoir re-rentrer à l'intérieur, sinon cela ne fonctionnera pas. J'espère que cette vidéo en aidera plus d'un déjà à la voir seul, et en tout cas pour tous les autres qui voudront la voir à travers nous, pensez à suivre souvent. Forcément, je le dirai évidemment sur Facebook et Twitter quand je rajouterai de nouvelles adresses mail. Pour le moment, c'est sur PS4, mais je compte bien que vous puissiez m'aider. Donc si vous êtes sur Xbox One, Xbox 360, PC ou PS3, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je l'ai à 100, je peux aider. Donc dites-moi dans les commentaires et je prendrai contact avec vous pour que vous puissiez m'aider au quotidien avec cette liste des transferts. C'était Robert87000, n'hésitez pas à exploser la barre de like, en tout cas si ça vous plaît et que vous êtes content que cette vidéo soit sortie, parce que forcément, comme l'année dernière, je me disais que peut-être que certains allaient sortir, ou en tout cas, il y aurait moins besoin parce que le niveau est à 45 et donc plus bas que l'année dernière. Mais là, vous êtes tellement nombreux à me l'avoir demandé en MP, etc., que je pense que vous êtes encore nombreux à ne pas savoir soit comment l'avoir, soit ne pas être au niveau suffisant. Donc c'était Robert87000, je vous fais des bisous, ciao les gars.